Hola a todos, bienvenidos, troisième, bienvenue en cette vidéo. La primera cosa que yo debo decir, merci a todo el mundo que me ha hecho el QCM, d'accord. Vous aurez el día aujourd'hui les notes sur Pronote. Tout le monde qui le voit un autre jour, bah, depuis le jeudi, vous aurez les notes. Alors, on va commencer une nouvelle séquence. Je vais passer un peu vite. Seulement vous dire, vous devez avoir les cahiers à côté, d'accord, pour écrire dans tout le moment. Je vous envoie avec cette vidéo une fiche et un audio. D'accord? Alors, si vous avez une imprimante, merci d'avoir imprimé avant la fiche. Si vous ne savez pas, vous inquiétez pas, vous pouvez l'écrire directement dans les cahiers. D'accord? Alors, on va commencer. Et bien sûr, on est déjà en troisième, vous savez qu'on doit parler en espagnol. Alors, la plupart de cette vidéo, je ne vais parler qu'en espagnol, d'accord? N'hésitez pas, je vais le faire un peu plus doucement que maintenant. Mais. Et si vous n'avez pas compris quelque chose, vous pouvez le laisser dans les commentaires ici, m'envoyer un mail ou m'envoyer un message par Pronote. S'il y a quelqu'un qui n'a pas reçu la vidéo, vous savez qu'il n'a pas reçu, s'il vous plaît, merci de l'envoyer. D'accord? Entonces, vamos a empezar una nueva secuencia. El título de la secuencia lo tenéis en la pantalla. En aquella época. Este es el título de la nueva secuencia y lo podéis escribir en el cuaderno, en aquella época. Vous pouvez dans tout moment mettre en pause la vidéo pour faire les choses que je vous demande, ¿d'accord? Entonces, la primera séance de esta secuencia va a ser la ficha que os he enviado, ¿de acuerdo? La ficha se llama La escuela de antes, ¿de acuerdo? La tenéis en Pronote, esta ficha. Como podéis ver, es una comprensión oral. ¿Qué quiere decir comprensión oral? Tenéis un audio que vamos a escuchar, ¿de acuerdo? Y después tenemos que resolver la ficha. Pero antes hay que escuchar el audio. Perfecto. Como podéis ver, tenemos una información aquí que vamos a leer. Vamos a intentar traducir antes de escuchar el audio. Vamos allá. Luis, el abuelo de Carlos, le cuenta cómo era su escuela en los años 50. Escucha la grabación y escribe qué elementos corresponden a la escuela de antes y cuáles a la escuela de ahora. ¿Habéis comprendido bien? Vamos a dilucidar un poco. Lo primero, tenemos dos fotografías. Esta fotografía es en blanco y negro, con lo cual quiere decir que es una fotografía antigua, vieja. Esta fotografía es una fotografía actual, de ahora, ¿de acuerdo? Estas son las dos escuelas que habla Luis, la escuela de antes y la escuela de ahora. Alors, nous avons déjà la traducción, ¿no? Escuela de antes, en francés quiere decir l'école ancienne, l'école d'avant, antes, avant. La escuela de ahora, en francés quiere decir l'école actuel, l'école maintenant. Como vous pouvez voir, il y a ici deux colonnes pour écrire les différences, comme il a dit ici, entre l'école d'avant et l'école actuelle. Pour cela, on doit écouter l'audio. Si vous voulez, les premières fois, on va l'écouter ensemble dans cette vidéo-là. La deuxième fois, vous pouvez déjà l'écouter, vous pouvez mettre en pause cette vidéo pour écouter. D'accord? Je vous ai envoyé de toute manière les documents. Vamos allá. Vamos a hacer la primera escucha. Unidad 8. Te voy a contar. Página 131. Escucho y escribo. ¿Sabes? En aquella época la escuela no era como ahora. Por ejemplo, los alumnos no tenían cuadernos. Utilizaban una pizarra para todas las asignaturas. ¿De verdad? Sí. Y no había calculadoras ni bolis. Pero sí mucha disciplina. ¿Te imaginas? Uf, sí, me imagino. En aquellos tiempos era fácil ver en una misma clase a alumnos de edades diferentes. ¿Ah, sí? ¡Qué raro! Además, muchos faltaban frecuentemente porque debían ayudar a sus padres en las tareas domésticas. ¡Jo! Menos mal que ya no es así.
Perfecto. Este es el audio, ¿de acuerdo? Ya lo hemos terminado y vamos a intentar dilucidar. ¿Cuántas personas hablan en el audio? Tenemos a dos personas, a Luis y a Carlos. Con lo cual, Luis es el abuelo de Carlos. ¿De acuerdo? Luis nos habla de la escuela de antes. Carlos tiene la escuela de ahora. Con lo cual, alors, la primera cosa que vamos a hacer, alors, es dilucidar las cosas características de la escuela de avant, las cosas de la escuela actual, celle que Luis nos ha contado. Alors, dans l'audio, nous avons écouté quelque chose pour l'école d'avant et quelque chose pour l'école actuelle. Si vous ne savez pas arriver, vous pouvez mettre en pause et réécouter avec votre audio, d'accord, pour voir qu'est-ce qu'il a dit et après voir les solutions. De acuerdo. En la escuela de antes, lo primero que ha dicho Luis es que tenían una pizarra para todas las asignaturas. Una pizarra pequeña para todas las asignaturas. La palabra pizarra la hemos escuchado mucho en clase, sobre todo en el aula. La pizarra quiere decir le tableau. Entonces, una pequeña pizarra es un petit tableau que se le utilice pendant les classes anciennes. Los alumnos de ahora no tienen una pequeña pizarra. Tienen algo para escribir. ¿Cómo se dice? Lo ha dicho Luis. Los alumnos de ahora tienen un cuaderno o muchos cuadernos. ¿De acuerdo? Ya tenemos la diferencia entre una pizarra y un cuaderno. Luis dice más cosas de la escuela actual. Dice que tenemos las calculadoras. Que imagino que podéis traducir. Calculadora, calculatriz. Y tenemos otra cosa, ha dicho Luis. Los bolis. Los bolis. ¿Recordáis de Sankiem la palabra boli? Estilo. Antes no había bolis, ¿de acuerdo? Luis ha dicho otra cosa al final, a la fin, justement, de la escuela de antes. Mucha disciplina. Algo que en la escuela de ahora no hay mucha disciplina. ¿Qué quiere decir mucha disciplina? La disciplina. C'était dur, c'était sévère. D'accord? La différence. Y lo podemos ver, la disciplina, en la fotografía antigua. Todos los alumnos están quietos, en silencio. Y la foto actual, los alumnos están haciendo, están bailando, están sonrientes. No hay mucha disciplina. ¿De acuerdo? Perfecto. Nous avons déjà dilucidé les petits objets ou les petites actions qu'il y avait dans l'école d'avant. Mais il y a encore une chose que nous n'avons pas dilucidé de la phrase et que Luis nous rappelle tout le temps quand il est en train de parler. C'est le temps verbal. Il parle dans quel temps verbal? Luis, el abuelo de Carlos, le cuenta cómo era su escuela en los años 50. Luis, le grand-père de Carlos, le raconte cómo, je vais laisser un espace, y après on va traduire, son école dans les années 50. Alors, s'il parle d'une école des années 50, on va parler en présent, en futur ou en passé? Bah, bien sûr, les années 50 sont déjà passées, alors on doit parler dans un passé. Mais s'il est en train de raconter des choses qui passaient pendant une période de temps, on ne doit pas parler du passé composé. On doit parler de l'imparfait. D'accord? Quand on parle d'une action qui s'est passée pendant le passé, pareil que on le fait en français. D'accord? Quand on utilise en français l'imparfait, en espagnol, on va utiliser l'imparfait. Alors, c'est très facile à comprendre. Alors, on va écouter une deuxième fois avant de commencer à étudier le imparfait. Et on va faire cet exercice-là. Completa las frases. Escuchamos a Luis y completamos la frase. Era fácil ver en la misma clase a alumnos
¿Qué dice Luis? Está al final del audio. ¿Lo escucháis? Era fácil ver alumnos en una misma clase de distintas edades. Il était facile de voir dans les mêmes classes des élèves de différents âges. Era antes. Ahora no es normal. ¿De acuerdo? Vamos a la frase 2. ¿Qué ha dicho Luis? Muchos faltaban frecuentemente porque debían ayudar a... Y dice, si vous avez pas vu, yo le crié, mais normalement vous devez faire un pause et l'écrire avant de moi pour voir si vous avez bien fait. Muchos faltaban frecuentemente porque debían ayudar a, yo pienso que a sus padres en las tareas do, espera que está en francés, domésticas, en las tareas domésticas. Beaucoup d'entre eux, ils manquaient les cours fréquemment parce qu'ils devaient aider ses parents, espera que está dos veces, dans les tareas domésticas. C'est un mot que après on va venir et vous allez corriger. ¿Está comprendido hasta aquí? ¿Está perfecto? Muy bien. Podéis volver a escuchar el audio con Luis para comenzar a entender el imperfecto. ¿De acuerdo? Ahora lo ponéis en pausa, el vídeo, y volvéis a escuchar para comprender el imperfecto. Vamos a ver la regla, cómo se hace el imperfecto. Lo tenemos en francés. J'habite dans un village et ma maison était très grande. Pardon, je vais recommencer. J'habitais dans un village et ma maison était très grande. On imagine qu'on parle de quand j'étais petit. Vamos a español. Yo vivía en un pueblo y mi casa era grandísima. Très grand, grandísima. ¿De acuerdo? Alors, on va voir comment on fait la grammaire de l'imparfait. L'imparfait se forme à partir du radical. On a déjà vu le radical pas mal de fois. Ça veut dire la partie du verbe qui sépare la terminaison ar, er, ir. C'est le reste du verbe. Mais si le verbe finit par ar, c'est le radical plus aba, abas, aba, abamos, abamos, abais ou aban. Je vous ai mis, je parlais, tu parlais pour nous souvenir c'est quoi l'imparfait en français. Si le verbe finit par er ou ir, radical, mas, ia, ias, ia, iamos, iais, ian. Comme vous pouvez voir, c'est tout le temps avec un accent. On va voir des exemples, parce que comme ça c'est un peu compliqué de comprendre, mais après vous allez bien voir. Los verbos que terminan por ar, que diría ba, ba, ba. Vamos a hablar del verbo hablar. Hablaba, hablabas, hablaba, hablábamos, hablabais, hablaban. J'ai mis un tiré, mais normalement il n'y a pas tiré. C'est pour différencier le radical de la terminaison de l'imparfait, d'accord? Vamos a los verbos que terminan en er o ir, como el verbo comer. Yo comía, tú comías, él comía, nosotros comíamos, vosotros comíais y ellos comían. Comme vous pouvez voir, la terminaison de ar et ir, de ar, pardon, c'est rien à voir avec la terminaison de er et ir. Ça veut dire que vous devez l'étudier les deux. Mais par contre, la partie positive de l'imparfait, c'est qu'il n'y a que trois verbes irréguliers. Ce n'est pas comme le présent indicatif qu'il y a beaucoup. Dans les futurs, il y a beaucoup. Non, dans ces cas-là, il n'y a que trois. Et on le sait ici. Le verbe ser. Yo era, tú eras, él era, nosotros éramos, vosotros erais y ellos eran, qu'il faut apprendre par cœur. Le verbe ir, comme vous pouvez voir, si on élimine les radicales du verbe ir, il n'y a rien, non? Il n'y a pas de radical. Alors on va le réinventer. Iba, ibas, iba, íbamos, ibais, iban. Et le verbe voir, ver, qui en fait c'est qu'il a ajouté une E à la règle. Veía, veías, veía, veíamos, veis, veían. Pap. Ça, c'est les trois cas de verbes en infinitif irrégulier. Et ça, c'est le verbe régulier.
On va revenir en arrière pour relire les phrases et comprendre mieux. Luis, el abuelo de Carlos, le cuenta cómo era su escuela en los años 50. Il raconte cómo il était son école dans les années 50. Aquí, era fácil, il était facile, ver, voir dans la même classe aux élèves de différents âges. Muchos faltaban frecuentemente. Beaucoup d'entre eux, ils manquaient de manière normale, fréquente. Porque debían ayudar a sus padres, parce qu'ils devaient aider ses parents. C'est compris jusqu'ici? Alors, comme vous pouvez voir, la séquence d'aujourd'hui, c'est très facile. Vous devez que réviser le vocabulaire des choses, des écoles qu'il y avait avant et qu'il y avait maintenant dans les écoles, et étudier l'imparfait. Tenéis los ejercicios 1, mets le verbe entre parenthèses à l'imparfait. Tenéis que rellenar aquí. Es super fácil porque os he puesto el verbo y la persona. Así que es muy fácil. Luego vamos al ejercicio 2. Traduis le phrase suivant. Tu peux utiliser le site web worldreference.com. D'accord? Vous pouvez l'utiliser. Podéis utilizarlo. Esta es una página muy buena de internet. Beaucoup mieux que Google Translator. S'il vous plaît, World Reference, c'est beaucoup mieux. En aquella época, que es el título de esta secuencia, tenéis que traducirlo, pizarra, que lo acabamos de ver, calculadora, en aquellos tiempos, además, y tareas domésticas. Atención al ejercicio 3, complete les phrases. ¿Qué es que tu faisais quand tu étais petit? Aquí es una expresión escrita. Tenéis que hacer tres líneas, trois lignes, en utilizant l'imparfait, avec des choses que vous faisiez quand vous étiez petit. Si no recordáis palabras, si vous vous souvenez pas, recordad, podéis utilizar Word Reference. Attention, ne utilisez jamais Google Translator ou un autre translator dans lequel vous mettez une phrase, il traduit toutes les phrases. Parce que moi, je vais voir que vous avez utilisé une expression d'Amérique latine, une autre expression de Guinée équatoriale. Alors, le professeur va voir que vous avez triché. Je vous conseille de ne pas faire ça. Je ne vais pas évaluer les choses faites par Google. C'est vous que vous devez faire. D'accord? Écoutez, c'est la fin. Je vais déjà finir la vidéo de manière simple. J'espère que vous avez bien compris. Si vous n'avez pas compris, de toute manière, cet après-midi, pardon, nous avons le direct sur YouTube le jeudi. Alors, si vous voulez, vous pouvez me poser des questions. Hasta luego, chicos. Hasta la semana que viene.